Les reines ne savent plus voler. Il était une fois le 22 décembre 2012 au Pôle Nord. Tous les lutins se préparaient pour Noël. La plupart des lutins faisaient des cadeaux. Le lutin Harry allait donner des carottes aux reines. Une fois rendu à la grange des reines, Harry a reçu un appel sur son téléphone. C'était le Père Noël. Il lui a demandé de prendre une balade avec les reines dans le ciel. Donc Harry s'est dépêché d'aller les chercher. Tout d'abord, elle a appelé le Père Noël pour lui demander quoi faire. Le Père Noël lui a dit d'aller dans le cinquième tiroir de la grosse bibliothèque rouge qui se trouve dans la grange des reines. Ensuite, elle s'est précipitée dehors avec les reines et elle a démarré le traîneau. Harry a alors dit le mot magique 1, 2, 3, voler pour qu'il commence à voler, mais rien ne s'est passé. Il a aussi dit que dans ce tiroir, il trouvera des médicaments pour voler. Donc, elle s'est dépêchée à trouver les médicaments et les a donnés aux reines. Quelques secondes après, ils ont commencé à sauter partout. La prochaine journée, Harry a appelé la fée Tourette pour lui demander si elle avait une potion magique pour faire voler les reines. Tourette a dit qu'elle n'en avait et elle serait rendue à la grange dans 30 secondes. Une fois arrivée, Tourette et Harry sont allés asperger de la potion sur la reine. Quelques secondes après, la reine a tombé endormie. Ensuite, le Père Noël était très découragé, donc il a décidé d'acheter un cours de vol pour tous les reines. Après le cours de vol, tous les reines savaient comment voler. Depuis ce jour, le Père Noël s'assure que les reines savent voler 2 semaines avant Noël, pour ne pas que cet incident arrive encore.